Et salut YouTube, on est parti pour épisode 6 normalement. On vient de finir la route 2 normalement. Et il y a peut-être, ok, il y a vice-dresseur, mais à part ça on a fini la route 2, la route 32. Et on est parti du coup, il y a une grotte et après il y a le puits au Ramolo si je dis pas de bêtises. On va voir ce que ça donne. Ok. J'ai baissé un peu le son du jeu. Donc si jamais vous trouvez qu'il est trop faible, dites-le moi aussi dans les commentaires. Bon, ça sera pas... Du coup, il y aura deux épisodes où le son sera peut-être un peu moins fort, mais je tâcherai de le changer dès que possible. C'est qui Snowcrest déjà? Ah oui, c'est pas Porygon. J'ai pas regardé les évolutions, comment elles fonctionnent dans Fool's Gold. Attends, on a qui? On a un Pidgey. Enfin, on va envoyer lui, du coup. Ok, faut que je me remette un peu dedans. Ça fait... Je crois que ça fait 2 jours que j'ai pas joué. J'ai eu le temps d'oublier. Avec ma mémoire. En tout cas, pour l'instant, le jeu a pas l'air si dur que ça. Marie, il est type normal vol, si je dis pas de bêtises. Normal vol. Ce qui est chiant, c'est que j'ai rien contre le type vol pour l'instant. Enfin, j'avais mon topiqueur, quoi, paix à son âme. Mais c'est plus le cas. Il est quel type? Et je voulais regarder son type. Il est normal haut. Ah, normal. Oh, au moins, ça craint pas le type vol, quoi. Enfin, on se comprend, quoi. Waouh. Incroyable. Il ressemble à rien, comme ça, le pauvre. En fait, ce qui est bizarre, c'est qu'il reste comme ça. Vas-y, rapetisse-toi encore. Et ouais, mon pote, putain, il est cruel. Mais il apprend super tôt. Wing Attach, c'est bien cruel, non? Il me semble, hein. Est-ce que ça augmente x2 Minimize, ou ça augmente que une fois l'évasion? Je peux pas le voir ici, on est d'accord? Non, on peut pas le voir. C'est pas comme dans les nouvelles versions. On peut voir la description du move. On va faire une fois de plus. Ok, donc... je peux aller juste... Ouais, ok, donc c'est une fois. On va commencer à le taper. On a plus 4, là. Après, l'esquive, c'est un peu chelou dans le jeu. Genre, là, il fait que de me miss, mais à un moment donné, il va me toucher, et après, il va plus louper. On sait pas pourquoi. En tout cas, pour l'instant, ça se passe bien. Ou alors, c'est broken. Non, ça va. Il m'a touché quand même. Ça va, il m'a mis 2 attaques. En vrai, je peux même le garder pour le prochain. Qui est le prochain? Août. Ouais, vasy. Enfin, presque chiant en fait, c'est que j'ai rien contre le type acier. En même temps, on est au début du jeu, donc ça paraît normal, mais c'est quoi? On va prendre son temps. On va se faire 6 minimize et 6 lire. Je vais me faire un agilité aussi, histoire de taper en premier. Quel enfer. Ben voilà, ce sera la vidéo. La vidéo entière sera dédiée à ce combat. Ok, vas-y. Mais niveau 10, c'est très peu quand même. Genre dans Earth Gold et Soul Silver, il me semble que à l'arène, il a des Pokémon niveau 16, non? La première arène. Alors que là, ils étaient niveau 12, je crois. Son plus haut Pokémon, si je dis pas de bêtises. Du coup, c'est vraiment pas ouf. Ça fait le taf de ouf, Minimize. C'est bizarre, d'habitude, ça marche beaucoup moins bien. Peut-être parce que dans les anciennes versions ça marchait mieux, je sais pas.
Oh, je fais que ça de dégâts alors que je lui ai baissé sa défense à fond là. Ah bah ça va être long. Ok. J'avance mais pas trop vite pour voir s'il me tape avec ses attaques, que je bourre pas comme un sac et que je perde mon Pokémon. Ce serait quand même ballot. Ce serait ballot. Ok, petit crit. Par contre, toi, ça XP pas beaucoup non plus, hein. Ça XP pas beaucoup. Ok. Ça serait bien de trouver un Pokémon feu. Il a l'air d'avoir beaucoup de Pokémon vol en ce début de partie. En fait, bah. Ouais, c'est surtout les Hoothoot qui sont chiants en fait. Acier vol, c'est horrible. Ok, la grotte. Est-ce que j'ai des Pokéballs? C'est important ça. Est-ce que j'ai des Pokéballs? Oui. Qui je mets en tête? Lui, il a rien comme attaque, si. Non, il a rien. Ok, j'ai envie de faire juste un petit point. Est-ce que. Alors attendez, Pokémon Fools Gold, j'ai envie de voir pour les évolutions, ça m'intrigue. Si je tape Pokémon Fools Gold, évolution. Évolution change. Est-ce qu'on aurait des infos pour savoir si c'est les évolutions basiques ou si ça a tout été changé. Ok. J'essaye de chercher. Ok, les échanges, enfin les évolutions par échange ont été supprimées, mais toutes les autres évolutions apparemment sont basiques. Attendez. Ok, attendez. Copier. Merde. Comment je fais? Comme ça. Ok. Alors. Non mais c'est sur Discord. C'est chiant. Importante information. Ok. Non mais ça c'est un. Ça c'est juste le Pokédex en fait. J'ai pas envie d'avoir le Pokédex. Alors attendez. Ah si, c'est peut-être là. Ah voilà, ok. Alors attendez, je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, histoire que vous participiez aussi. Voilà, donc en gros, bon c'est un peu du spoil, hein. Mais ici on voit les évolutions. Alors moi, ce que j'aimerais faire, c'est... on va juste checker pour les Pokémon que j'ai. Au pip. Au pip. Niveau 18. Ok. Jivit. Venonat. Venonat. Niveau 22. Lui, on sait. C'est genre niveau 18, il me semble. Togepi, est-ce que c'est au bonheur ou pas? Togepi, ça va être... Ah, ça va être Friendship, ils ont gardé ça, c'est relou. Totodile, Porygon. Porygon, c'est ce qui m'intéresse. Porygon 2, niveau 31. Ah ouais, oh, 31. Ça, je vais le garder. Hein. Ok. Au moins, on sait. Au moins, on sait. C'est bien. C'est bien. C'est une bonne chose. En vrai, Ichita, il va être chiant. Il va être chiant, XP. Hein. Ouais, on va voir. On va voir, c'est pas évident pour l'instant. Ok, Union Cave. Capture. Oh, un Onyx qui ressemble à
Un ver de terre, putain, il a perdu tout son style, le pauvre. Il a laissé son swag à l'entrée, quoi. Ok. Moi, je pense qu'il est type terre. Sol. Type terre, ça n'existe pas. Le mec, il connaît bien Pokémon, quoi. Je pense que ce Pokémon est du type oiseau. Toute façon, j'ai rien pour les... J'ai rien pour leur mettre des statues, en vrai. Que si je... Mais si je fais ça, je risque de le tuer. On va juste faire Scratch. Ça me fait un peu peur, les grincements. Du coup, je vais switcher. J'ai pas envie de me prendre une grosse attaque dans la gueule et mourir. Bien fait, Ghost. Ça devrait pas le tuer, quand même. Yes. Yes. Ça devrait pas le tuer quand même, hein. Bon non. Mais attends, mais Ghost, c'est spécial, ça fait zéro dégâts. Bon, c'est stabé, mais il a plus d'attaque physique. Allez, regardez, il a 22 d'attaque. Imaginez si c'était une attaque physique. Oh, je suis dead. Bon, on en avait pas besoin. C'est surfait d'avoir plus de 6 Pokémon, de toute façon. C'est surfait dans un Nuzlocke. Oh, Diglett. Diglett. Après, le truc, c'est que je fais tellement pas de dégâts avec... Mudslap. Je peux pas m'enfuir. Vas-y, fais Mudslap. Ah oh, si, ça fait mal en fait sur lui. Je pensais pas que ça ferait autant. Après, c'est vrai qu'il avait l'air très fragile, le mon Topiqueur. C'est pour ça qu'il est mort d'ailleurs. C'est pour ça qu'il est mort. Non mais par contre, arrêtez. C'est du harcèlement, monsieur. Oh, il fait mal par contre. Je vais switch. On va switch sur Enava. Ah, j'ai cru qu'il allait prendre un niveau. J'ai cru au bonheur, l'espace de quelques secondes. Et finalement, non. Je vais mettre lui en premier. On va white sa team, vous allez voir, ça va être incroyable. Je crois que normalement, lui, c'est un dresseur de type feu, non? Non? Ou alors, c'est juste un montagnard. Ok, quelle surprise! Quelle surprise! Il fait un peu flipper, en vrai. T'arrives dans une grotte et puis le mec te dit quelle surprise. Bienvenue. Ok, il a un ver de terre. C'est un niveau 13 par contre. Après, s'il a que grincement et tacle. Ok, c'est un crit en plus, mais easy. Mais easy. Après, pour Rigon, il a des stats de bâtard. Hein. Certes, il met du temps à évoluer, mais il a des stats de bâtard. Bon, par contre, si tu pouvais esquiver... Ce serait pas mal. C'est le setup. Après, il n'y a qu'un Pokémon, donc ça vaut peut-être pas le coup de ce full setup, mais c'est pas grave, je le fais quand même. Ah putain, il m'a wrap. Ok, ça fait combien? 2. On va peut-être lâcher une potion, hein. Genre, pas tout de suite. Genre là, ça me paraît être un bon moment. Ouais, c'est un bon moment là, je pense. Ok. Nice. Ça dure combien de temps, Wrap? C'est 5 tours, non? Enfin, par contre, lui, autant le Maril, il loupait toutes ses attaques, autant lui, il s'en bat les couilles que j'ai fait Minimize. Ah oui, mais ouais, je loupe des attaques, non? Fais un peu semblant, au moins. Fais semblant de pas me voir. Ok. À la prochaine attaque qui touche, je pense que je switch.
C'est marrant, il fait pas du tout le rincement celui-là. Ou alors c'est qu'il a pas appris. Ça m'étonnerait quand même, il est plus haut niveau que celui qu'on avait croisé. Bon, s'il est type sol, bah, de toute façon il a pas l'air d'avoir d'autres attaques en soi, donc ça change rien. Moi je peux mettre au pipe. Oui, il se fait au pipe un peu. Par contre, dans la grotte, synthèse, ça va être pourri, non? On va le pépé stall, en fait. On va juste faire ça. Oh, bon. Putain, il fait zéro dégâts, c'est horrible. Ça fait que ça donne combien, synthèse? Oh, ça va! Ça va, ok. Par contre, en vrai, là, est-ce que je me fais pas un synthèse de prévention? Parce qu'il va sûrement me faire un taker, une charge. Ah, oh, je sais pas, en vrai, non, on va juste laisser sa défense. Et là, on refait synthèse. Le match de l'enfer, quoi. Les dresseurs, ils s'endorment quand ils regardent ce combat, quoi. Par contre, s'il me treat, il pourrait me faire. Il pourrait me tuer presque. Ok, c'est bon, là, on va l'avoir. Je pense qu'on va l'avoir. Tout à l'heure, j'ai l'impression de faire beaucoup plus de dégâts avec, charge. Quel ennui. Quel ennui ce combat. On est d'accord que faire. Après, ouais, non, en fait... En fait, c'est un peu bizarre, parce que... Là, techniquement, mon O-Pip est type sol-plante. En gros, c'est du terreau, quoi. Il pourrait se fondre dans le sol, et du coup, ne pas prendre d'attaque. Bon, je sais bien que la logique marche pas comme ça dans Pokémon, mais... Mais ça aurait pu être bien. Tout ça pour 150 d'XP en plus. C'est vraiment pas ouf, hein. Donne-moi une natale plante. Yes. Pas du tout. Et si on allait faire un tour au centre Pokémon? Ça faisait longtemps. Un centre Pokémon. C'est la règle. Bien évidemment. Bon, après, ça va vite. Non, en vrai, si... Quand mon Porygon et mon Hoppip, ils auront appris des attaques plantes et haut, on sera bien. Mais en attendant, c'est la merde. Bonjour. Azalea. Azalea, elle s'appelle la ville. C'est pas le nom d'une chanteuse, ça. Ouais, on va switch, hein. Après, j'ai peur de mettre mon Ichita contre lui. Mais c'est un enfer, le truc, c'est que... Ah si, j'ai des attaques combat. Ah, mais le problème, c'est qu'il a des attaques roches aussi. Ah. Ouais. Ouais, il a des attaques roches. C'est chiant. Ah, mais vas-y, il loupe pas une fois, quoi. J'ai épuisé tout mon quota chance contre le Maril, quoi. Je pense que je peux tenter au moins une attaque. Ah bah, je me prends un crit, ok. On va switch. Ok. En plus, ça donne tellement peu d'XP. Zubat. Zubat, il est psy... Psy vol, je crois. Si je dis pas de bêtises. Mais du coup, je peux pas mettre mon type insecte. Ça ne va pas marcher. Mais il me semble qu'il était... Pourtant, il prenait cher aux attaques insectes. J'ai un doute, il me semble.
Déjà, j'attaque en premier. Ah non. Je dis de la merde. Je dis de la totale merde. Ah putain, en plus, je suis coincé. Est-ce que je tente le supersonique? Bon, on va juste le bourrer, je pense. Ah non, ah, on est... je pense qu'on est équivalent, en fait, en speed. Ah, s'il te plaît, fais pas une attaque vol. J'ai pas envie de perdre un autre Pokémon. Surtout contre un Zubat niveau 9. En vrai. C'est un peu triste. Ok, Diglett. Encore? Qui se trimballe avec deux Tobiker dans sa team. Oh, il est niveau 12. Oh, pas trop de dégâts, s'il te plaît. Ok, ça va. J'ai cru que j'allais prendre beaucoup plus de dégâts. Ok, pas de coup critique. Oh oui, miss. Je prends les miss. Oh, ça, j'aime pas. Est-ce que je le soigne? En vrai, il n'y a pas besoin. Oh oui, la miss. Let's go. Et c'est un niveau 11. Let's go. En vrai, si je veux cheater... si je veux cheater, c'est genre... j'ai juste à accélérer pour augmenter le bonheur de Togepi et puis il évoluera super rapidement. Mais bon, en vrai, on va pas faire ça. Enfin... moi, je vais pas me priver pour accélérer, mais... genre, je vais pas le faire exprès pour ça. On est d'accord que Rookool, c'est niveau 18 qui évolue. Je dis pas de bêtises. Oui, oui. Arrête de me parler, toi. D'ailleurs, j'ai pas parlé aux gens s'ils voulaient m'ajouter sur le téléphone. Oh, énorme! Je me demande quel type il est, en vrai. Cela dit, on est d'accord qu'une fois que je les ai rencontrés, ils sont dans le Pokédex. Il me semble. Ok, alors attends. Ok. Ouais, lui il est type sol. Ok. What? Ah ouais, oupsie, c'est pas mal aussi. Enfin, c'est pas mal. Ok, il est type haut. Ok. Il a l'air d'avoir beaucoup plus de type sol, hein. C'est pas pour me déplaire, j'aime bien le type sol. Après, s'il y a que ça, bon... non, je pensais pas que j'étais en range de me faire aggro. J'aurais bien aimé switch de Pokémon avant de l'affronter. On a dit qu'il est cool. Il est électrique. Il est pas normal électrique. J'aurais peut-être dû switch du coup. Non, c'est pas ça, c'est insecte. Il est insecte électrique. Dans tous les cas, en vrai, s'il est insecte, autant mettre Ichita. Ah, ça le... ouais, c'est pas super efficace. Donc il a mis ses attaques, c'est bien. Comment ça, c'est moi qui mise mes attaques? Comment ça? C'est tellement pas de dégâts ce Pokémon. En même temps, c'est un œuf quoi. C'est un œuf avec des pattes et une queue donc. Oh, un insécateur! Oh lolo! Oh lolo! Au sport. Alors, de base, il est vol insecte. Alors, peut-être qu'il a gardé genre. Une des catégories. Il a perdu ses jambes, le pauvre. On dirait un peu un mélange de Dardarnian et d'insécateur, c'est très bizarre. Cela dit, ça ressemble un peu, ouais.
Ah ouais, ça pourrait être un Dardarnian bis, quoi. Peut-être la reine des Dardarnian. Oh non. Oh non, mais pourquoi du premier coup? Mais du coup, mon stalling ne sert à rien. Vas-y, j'y vite. Je peux le faire. Envoie Supersonic. Comment ça, ça ne l'affecte pas? J'ai accéléré, j'ai pas vu, mais... Ok, c'est juste que ça a pas... Ça avait pas réussi. Ok, il craint pas ça. En vrai, il est probablement un 7, hein. Je vais lui envoyer une... Oh, il m'a crit. Je vais lui envoyer un cruel dans la gueule et puis il va comprendre sa douleur. Oh oui, il a bien compris sa douleur, là. Oh putain, Varant, il m'a empoisonné deux Pokémon, il m'a mis la misère. Il devrait bien XP, cela dit. 159 alors que j'ai dû switcher... J'ai switché trois fois, quand même. Enfin, deux fois. Par contre, on va retourner au centre encore. J'en peux plus. Au début, c'était un peu rigolant que je disais un dresseur et puis on retourne au centre. C'était pour rigoler au début. Ouais, c'est stylé, hein. J'adore comment on appelle ça, les sprites. Les sprites des Pokémon sont vraiment stylés. Oh, nice, une super ball. En vrai, je suis les combats, ça va. Je pense que je suis assez bien en XP. Par contre, ça mène où cette échelle là? Ça m'intrigue. À chaque fois, mais tout à l'heure il regardait pas dans cette direction, du coup je me suis dit je peux monter et approcher. Mais en fait non, c'était un prank. Slowpoke. Oh énorme! Sa queue c'est une prise électrique. Trop drôle. Par contre on va switcher. Hein. Du coup sur lui ça devrait le faire. J'espère qu'il n'y a pas type O. S'il est type O électrique, c'est broken. Oh, j'espère qu'il est pas typo. Ok. Non, parce que si je perds Ichitash, j'ai beaucoup le seum en vrai, parce que je pense que ça peut être un bon Pokémon. Après, je sais même pas, on est d'accord que Togekiss il est pas encore, c'est à la 4G Togekiss. Ouais, donc en fait j'aurais juste un Togetic. C'est pas non plus exceptionnel. Non mais je fais pas de dégâts avec ça, hein. Alors, par contre lui il me fait des dégâts. Attends, c'est quoi super... J'ai vu super efficace. Ah mais non, mais c'est mon attaque. Non, me tue pas. En vrai s'il me faisait un crit il pouvait me tuer là, je pense. Ok, level up. Pas d'attaque à prise. Ah salut Troller Fourbe. Comment ça va? En vrai c'est chaud en vrai quand même. Et j'ai pas de repousse non plus. Mais en fait il y a pas de repousse. Il y avait pas de repousse à acheter. Bah ça va très bien aussi, hein. On est en pleine grotte. Grotte, je sais même pas c'est quoi le nom de la grotte, mais en pleine grotte quoi. On se fait harceler par les Pokémon parce que j'ai pas de repousse. Mais on va bientôt voir le bout. Ah, c'est juste après la grotte, ok. Est-ce que tu connais ce fin game ou pas?
Ou remarque, même si tu connais Pokémon Crystal basique, parce que moi je crois que j'ai jamais joué à Pokémon Crystal en vrai. J'ai joué à Pokémon Rouge, il me semble. Un Pokémon. Si, c'est comme ça que ça s'appelait. Mais est-ce qu'il y a une touche pour courir? Parce que j'ai essayé différentes touches de mon clavier. Il n'y a rien qui marche. Du coup, je me demande. Est-ce qu'il y a une touche pour courir ou pas? Je joue sur Game Boy Advance. Moi, c'est Visual Boy Advance que j'ai là. Comme émulateur. J'espère qu'ils vont bientôt apprendre des bonnes attaques. Mais j'ai pas envie de trop affronter les Pokémon sauvages parce que j'ai pas envie d'être over XP. Ok. Dunsparce. Oh, il est stylé! Oh, il est stylé! J'espère qu'il a pas explosion. Ah, oh, j'espère qu'il a pas explosion. Après, techniquement, c'est plus les Pokémon Roche qui ont explosion généralement. Ah, t'es pas sur émulateur. Ok. On va full minimize. C'est bizarre, minimize, des fois ça marche super bien, et des fois pas du tout. Est-ce que tu as les chaussures de marche? Bah non, et il me semble que c'est le vieux qui te les donne au début, mais j'avais été lui parler et il me les a pas donné. Du coup, je sais pas. Ah putain, il a fait rage, merde. Ah, c'est pas très efficace. Attends, il est quel type? Alors, il est roche-feu? Peut-être qu'il est roche-feu. Je vais quand même rester sur lui pour l'instant. Combien il fait déjà? Ça va, 3 déjà, c'est pas énorme. Ok. On va juste lui baisser toute sa défense. Il est où ton Pokémon? Comment ça? Ah ouais, c'est un bug avec Minimize. Quand je fais Minimize, du coup, il se transforme en tout petit truc. Je sais pas pourquoi. Normalement, ça fait pas ça, il me semble, mais là, ça le fait. Je sais pas pourquoi. Du coup, c'est le petit truc noir, là, ici, là. Voilà. C'est ça. Oh non! Putain! Ça fait combien de dégâts en étant brûlé? À 0. À 0. Oh, trop chiant. Bon, il a Ember, donc faut pas que je mette lui. Faut pas que je mette lui. En vrai, avec lui, ça peut le faire. Ah ouais, avec lui, ça va le faire. Je vais lui mettre... Je vais mettre la douille avec mon attaque sol. Autant, il fait mal. Oh là là. Putain, ok, c'était un crit. Je lui ai fait mal aussi, quand même. Tu m'as encore mis la douille, quoi. Mais on est d'accord que celui qui donne les chaussures de marche, c'est le vieux dans la première ville. C'est Pokémon Fool's Gold. Si tu veux, je te l'écris, attends. Touch Fool's Gold. Comme ça. Je vais faire ça.
Je vais aller vérifier, mais on est d'accord que c'est le... C'est bien le vieux qui donne les chaussures. Oui, ça doit être le vieux qui te les donne, ok. Ok, on va se faire ça. C'est terrible, j'ai l'impression de pas avancer. Genre, j'enregistre les épisodes pour faire des épisodes genre de 40-45 minutes pour mettre sur YouTube. Je me fais en 45 minutes, je fais même pas la grotte. Bon, après, j'ai fait beaucoup d'allers-retours au centre Pokémon aussi, mais... Mais quand même. D'ailleurs, je devais pas aller parler au professeur une fois que l'œuf il a éclos. Je sais plus. Après, je pourrais l'appeler éventuellement. Attends. Professeur Helm. Il a éclos. Quelle sorte de Pokémon est-ce? Viens me le montrer. Ah ouais, voilà. Ok, on va faire ça du coup, au passage. Pour avoir les chaussures, faut d'abord que je monte le Pokémon au professeur. Oh merde, j'ai trop accéléré. Ça, c'est chiant avec le... l'accélération, c'est que ça va trop vite. Du coup, tu peux pas trop contrôler. Par contre, j'ai trollé là. Ok. On va faire ça du coup. Et je pense que en termes d'épisode, ça sera pas mal déjà. On aura un peu avancé. On aura surtout reculé vu qu'on retourne là-bas. Mais j'ai pas fait ça la dernière fois. On va lui montrer le Togepi. Ça me fume le Togepi, ça. Son icône c'est encore un œuf alors qu'il a éclos. Et c'est un œuf en fait. C'est un œuf. Il a éclos. En gros, c'était un œufception quoi. Genre, il était dans un œuf et il a éclos, mais c'est un œuf quand même. Un œuf avec des jambes. Ou alors, est-ce qu'on part du principe que c'est l'œuf, mais qu'il a éclos, mais il y a juste ses pattes qui sont sorties? Peut-être. C'est un peu chelou du coup. Pour respirer, ça doit pas être très pratique. Même pour manger en vrai. Tu es fané de Baptiste. J'ai la ref. Je crois. Bonjour Helm. Regarde mon Togepi. L'œuf a éclos. Donc les Pokémon naissent des œufs. Incroyable. Non, peut-être pas tous les Pokémon. Il y a encore beaucoup de recherches à faire. Merci Choco pour ton aide. Je veux que tu obtiennes ça comme 10 d'appréciation. Everstone. Everstone, c'est quoi déjà? C'est pas la... Ah bah il va me le dire. Certaines espèces évoluent quand ils gagnent certains niveaux. Un Pokémon qui tient une Everstone n'évoluera pas. Ah mais c'est super ça. C'est vraiment ce qu'on a envie. Le mec il nous fait un discours en mode tu devrais aller affronter les arènes. Tiens, prends cette pierre pour ne pas faire évoluer tes Pokémon. Comme ça tu ne réussiras jamais ce que je t'ai demandé d'entreprendre. En fait il veut juste pas nous revoir, c'est ça? Joey, oh non pas lui. Hey, salut Choco, comment ça va? C'est Joey, t'as une minute? Non. Oh! Faisons une bataille, let's go! Je te promets, les choses seront différentes. Route 30. Ok. Ok, vas-y. Rendez-vous, route 30. Oh là là, nickel. On a notre fin d'épisode là. Ça va être incroyable. La bataille vs Joey. La bataille au sommet. Contre son. C'est quoi? C'est son Fouinette, il me semble. Ça va être incroyable. Je sens que là. La tension déjà. Quand il m'a appelé, il y avait déjà de la tension.
Il est quel type, Fouinette? Il est type normal vol, il me semble, si je dis pas de bêtises. C'est où la maison du vieux? C'est ici? Ouais, ah, c'est là. Bonjour, monsieur. Ouais, ok. Attrape beaucoup de Pokémon. Faites-les bien. On est d'accord que c'est lui, le vieux, normalement, qui te donne les chaussures. Mais il les donne pas. Envoyé au 7ème ciel. Il me semble, hein. Personne pour me donner des chaussures, c'est incroyable. Y'a quoi par là? Cherry Grove Port. Ah, c'est un bateau. Je savais pas qu'il y avait un port ici. Et ici, y'a quoi? Après, j'ai pas parlé à tout le monde, mais bon. Il me semblait que c'était le vieux qui les donnait. Ou alors c'est dans un centre. Genre toi là. Non. C'est un nom. Non, je sais pas. Je sais pas du tout. Ok, on va affronter Joey. Tant pis. On n'aura pas nos chaussures, mais on va affronter Joey quand même. Alors, et c'est très important, il faut que je choisisse mon Pokémon pour affronter Joey. C'est un 1 contre 1. Un contre 1, route 30. C'est parti. Donc il aura sûrement ce Pokémon là. Normal vol. Il faut choisir en fonction. Il faut bien choisir. Donc déjà notre type insecte, on va pas le prendre. J'espère qu'il aura pas trop de niveau. Ça m'étonnerait qu'il ait pris beaucoup quand même. On va mettre Porygon, je pense. Ouais, on va mettre Porygon. C'est horrible, par contre j'ai trop de faiblesse au type vol. J'ai genre, lui il est faible, lui il est faible, lui il est faible. Lui ses attaques stabées, elles touchent pas les types vol. Donc en fait j'ai deux Pokémon qui peuvent faire, qui peuvent ne pas prendre trop cher au type vol quoi. C'est terrible. Ok, Joey, ah non c'est pas là. Je suis trompé. Je fais une petite sauvegarde avant parce que on sait jamais si on perd. Ok, c'est toi, Joey, normalement. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti, battons-nous. Ok. Et là, il a ses Pokémon niveau 30. Oh, le Fouinette. Niveau 6. Oh, incroyable, il a tellement XP depuis la dernière fois. Je ne le reconnais plus. C'est faux. C'est totalement faux. Allez, loupe ton attaque. Oh, dommage. Mais c'est terrible. Il a pas XP, son Pokémon, là. Fais un effort, Joey. Allez, ça dégage. Au moins, il aura fait level up, mon Porygon. Et ça n'a pas de prix. Oh! Oh, let's go! Let's go! Enfin, une bonne attaque. Enfin, une bonne attaque. On va virer lire, je pense. Ouais. Agility, c'est pas mal quand même. D'ailleurs, je vais mettre les attaques dans l'ordre aussi. Oh non, j'ai encore perdu. Oh, quelle surprise. Je t'appellerai quand j'aurai envie de me battre. Mais on sait tous et on l'a tous vu au fil des épisodes que tu m'appelais pas seulement pour te battre. Des fois, il nous appelle, il nous raconte sa vie. On lui a rien demandé, mais il le fait quand même. C'est super. Les autres, c'est dans l'ordre, il me semble. Ouais, les autres, ça va. Ok. Bon. Alors, pour YouTube, je pense que je vais mettre fin à l'épisode. Et puis, on va enchaîner sur un autre. Hein. Ça va être incroyable. Peut-être le Puramolos, cette fois-ci, peut-être. Qui sait. À l'allure à laquelle on va. à l'allure à laquelle on va, franchement, on sait pas. Pas comment ça va se passer. Peut-être que je devrais plus accélérer dans les phases. Dans les phases creuses, comme on dit, genre pour traverser les routes. En vrai, On profite avant tout du voyage, du paysage. C'est important. Ok. Sur ce, YouTube, je vous dis
à bientôt pour le prochain épisode et puis voilà. La pire fin ever, mais vous inquiétez pas, on travaille dessus.